Considérons ce récipient qui est rempli d'un corps pur que vous connaissez bien, l'eau. Ce corps pur se trouve sous deux phases, une phase liquide, une phase vapeur. Si on connaît la température, nous savons que la partie supérieure sous forme gazeuse, donc de l'eau, est à la pression dite de pression de vapeur saturante. On a évacué tout l'air, il ne reste plus qu'une pression de vapeur saturante à cette température T. De même, si on connaît la pression de vapeur saturante, on connaîtra la température avec la courbe de pression d'équilibre que nous avons vue précédemment. Nous allons dans ce cours nous intéresser cette fois-ci aux fractions massiques et molaires de gaz et de liquide, ainsi que du volume massique de liquide et de gaz dans ce récipient. Nous allons nous intéresser à ce qu'il y a de plus important sur Terre, l'eau. Donc l'eau, eh bien, elle est ici sous deux formes, sous une forme liquide et sous une forme de gaz. À l'instant T égale 0, on ne met que de l'eau sous forme liquide. Progressivement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'eau se vaporise et arrivé à un certain moment, eh bien, on ne peut plus vaporiser d'eau. On arrive à une pression de vapeur d'eau qu'on appelle la pression de vapeur saturante. On ne peut plus vaporiser d'eau. Et à 40 degrés Celsius, nous avons la masse molaire de l'eau qui vaut 18-10-3 kg par mol, sa masse volumique 992 kg par mètre cube, la pression de vapeur saturante d'eau 7375 pascal, et je vais vous demander quel est le volume massique de liquide et le volume massique de gaz, qui sont définis tout simplement par volume massique de liquide, c'est le volume de liquide sur la masse de liquide, et le volume de gaz sur la masse de gaz pour le volume massique de gaz. À vous de jouer. Bien, alors, on va commencer par le plus facile, le volume massique de liquide. Volume massique de liquide, c'est le volume de liquide sur la masse de liquide. Vous savez que la masse volumique, eh bien, c'est exactement l'inverse. C'est la masse de liquide divisée par le volume qu'il occupe. Autrement dit, que vaut le volume massique de liquide? Eh bien, 1 sur rho, c'est-à-dire 1 sur 992, ce qui nous donne 1,01 fois 10 moins 3 mètres cubes, kilogramme moins 1. Autrement dit, le volume massique de liquide est égal à 1,01 fois 10 moins 3, donc ça nous fait litre directement, 1,01 litre kilogramme moins 1. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien que ici, 1 kg d'eau va occuper un volume à peu près de 1 litre. Ça, c'est la première chose, c'est le plus simple. Volume massique de gaz maintenant. Le volume massique de gaz, vous savez que c'est le volume de gaz sur la masse de gaz. Comme le gaz eau est un gaz parfait, on peut écrire l'équation des gaz parfaits, c'est-à-dire pression fois volume égale énergie. Quelle pression? Eh bien, comme on a la pression de vapeur saturante, c'est tout simplement Psat. Donc ici, nous avons quoi? Psat fois V égale N. N, c'est la masse sur la masse molaire, vous le savez, fois R fois T. Qu'est-ce que nous voyons ici? Ben, on va envoyer M de l'autre côté. Qu'est-ce que ça nous donne? Eh ben, ça nous donne V sur M. Qu'est-ce que c'est que V sur M? Eh ben, c'est justement le volume massif de gaz. Donc V sur M, qui est égal à Vg, est égal à quoi? Est égal à RT divisé par M fois Psat. Attention aux unités légales. R est dans l'unité du système international, donc 8,31. La température T, l'unité légale, c'est le Kelvin. Donc je vous rappelle que 40 degrés Kelvin, c'est quoi? C'est 260. 40 degrés Celsius, c'est 273 Kelvin plus 40 Kelvin. Divisé par quoi? Eh bien, divisé par la masse molaire, qui est bien en kilogrammes par mol, hein, c'est l'unité légale, le kilogramme par mol, 18, 10, moins 3, multiplié
par la pression vapeur saturante, 7375 pascal. Ce qui nous donne pour Vg environ 20 mètres cubes kilogramme moins 1. Ça veut dire que 1 kg de vapeur d'eau saturante à 40 degrés Celsius, hein, eh bien, va occuper environ 20 mètres cubes. Bon, 20 mètres cubes, c'est quoi? C'est la taille d'un petit camion quand vous faites vos déménagements, hein. Donc, ça veut dire qu'il y aurait dans ce camion de 20 mètres cubes, eh bien, 1 kg d'eau sous forme vapeur. Voilà pour les deux volumes massiques. L'essentiel à retenir, la définition des volumes massiques des phases 1 et 2 d'un corps pur diphasé. Voici la formule. Le volume total du corps pur diphasé est évidemment la somme des deux volumes. Le volume massique du corps pur diphasé est égal à son volume divisé par sa masse petit m étant la somme des phases, des masses des phases 1 et 2. Nous pourrons exprimer le volume massique V en fonction des fractions massiques et molaires, nous le verrons dans l'exercice suivant. Une deuxième question maintenant. Nous avons les fractions massiques d'eau sous forme gazeuse qui valent 0,10 et pour l'eau sous forme liquide 0,90. Et je vous demande le volume massique de ce mélange, c'est-à-dire le rapport de quoi? Eh bien, tout simplement le rapport du volume V de l'enceinte qui contient le mélange divisé par la masse d'eau totale. Bien, alors dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir ce qu'est la fraction massique de gaz et de liquide. La fraction massique de gaz, c'est tout simplement la masse de gaz sur la masse d'eau totale. Et la fraction massique de liquide, ben, c'est la masse d'eau sous forme liquide divisée par la masse totale. Voilà pour XL et XG. Au passage, fraction massique ou fraction molaire, est-ce différent? Tiens, à vous de le trouver ça. La fraction massique de gaz, on va le prendre dans le cas du gaz, hein, c'est la masse de gaz. Donc c'est quoi? C'est tout simplement le nombre de moles d'eau sous forme gazeuse fois la masse molaire de l'eau divisé par quoi? Eh bien la masse d'eau totale, masse de H2O totale. Hop. Total. Et qu'est-ce que c'est que la masse d'eau totale? Eh bien c'est tout simplement donc le nombre de moles d'eau sous forme gazeuse fois la masse molaire de l'eau divisé par la masse d'eau totale, c'est quoi? Ben, c'est le nombre de moles d'eau totale multiplié par la masse molaire de l'eau. On voit que les masses molaires se simplifient. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, le nombre de moles d'eau sous forme gazeuse divisé par le nombre de moles d'eau totale. Eh bien, on voit que la fraction massique ou la fraction molaire sont exactement égales dans le cas d'un corps pur. Bon, ceci étant, allons-y pour le volume massique du mélange. Le volume massique du mélange, c'est égal à quoi? Donc le volume sur la masse petit m. Or, le volume total, c'est égal au volume sous forme liquide plus au volume sous forme gazeuse divisé par la masse petit m. Le volume sous forme liquide, il vaut quoi? Eh bien, le volume massique de liquide fois la masse de liquide, autrement dit, petit v est égal volume massique de liquide fois masse de liquide plus volume massique de gaz fois la masse de gaz divisé par petit m. Ceci, qu'est-ce que c'est ml sur m? Eh bien, c'est tout simplement, on l'a vient de voir, c'est xl. Donc petit v égale xl fraction massique en liquide fois volume massique de liquide plus quoi? Mg sur m, c'est quoi? Eh bien c'est xg plus xg fois vg. On fait le calcul. Donc petit v, volume massique de l'ensemble, vaut xl 0,9 fois
à peu près 1,0 10 moins 3, on va laisser un seul chiffre, deux chiffres significatifs, plus xg qui vaut 0,1 fois 20, ce qui nous fait petit v égale ici 2,009 mètres cubes kilogramme moins 1, ce qui est environ égal à xg fois vg. Alors pourquoi ceci? Ben, tout simplement parce que le volume massique du gaz est bien supérieur au volume massique du liquide qui est évidemment beaucoup plus condensé. Hein. Le liquide, c'est une phase condensée par rapport au gaz qui, lui, n'est pas une phase condensée. Hein. Vous savez que les molécules, elles vont dans toutes les directions, elles occupent tout l'espace qu'on leur offre. C'est ça un gaz. Un petit teratome, attention, là j'ai oublié un petit zéro. Tiens, je le rajoute ici. Et en bleu encore. Voilà.